Déblozay pété mesdames et messieurs dans base crasé barrière gang ça qui gagne dans tête li vite l'homme allié Nenel Kassi, allié Chile Luido, allié André Michel, allié Ariel Henry, allié Léon Charles, allié France LB, mesdames et messieurs. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, il faut que nous, chef gang, vite l'homme, monsieur Namaon, monsieur Pati qui était base là, ça a eu plusieurs jours. Et ça qui cause, c'est soldat qui lève contre vite l'homme. Et il faut que nous disions tout. 400 Marozo qui a saccagé un pile nèg pour vite l'homme là. Selon information que nous gagnons, il faut qu'il porte 15 à 20 nèg qui déjà tombé en bas de 400 Marozo. Et bien, vous voyez nèg ça dans le pays sans chapeau. Vite l'homme lui-même, soldat qui tellement senti, et bien, et testicule yo plein, et nèg a bousqué vite l'homme là, couche un fou pour yo éliminer chef gang ça qui pote non. Vite l'homme là, mesdames et messieurs. Que nous allons inviter ou gagner plus de détails dans la vidéo ça. Gagne tout la police qui font coup de filet là à côté, eh ben yo lancé qu'importe 10 bandits là, gagne dans l'exa qui sorti dans base Grand Ravine là, qui gagne dans tête petit la pli et gagne l'autre tout qui sorti dans base Iso. Eh ben la police mettait tout l'exa en bacote pour qu'on a parlé là, gagne monde qui dit mais pour qui ça la police pas trop mettre et groupe l'exa à population. Pour bay nèg yo bwa kale même jan sa te fèt nan kanapé vè si nou sonje bwa kale a il te pran nisans. Eh ben nou pral invite ou gen detay Félix Badio nou konnen après plusieurs années ki la justice t'a bousqué monsieur couchin fou nan dossier assassinat Jovenel Moïse lan finalement ou te mette la patte sou Félix Badio. Eh ben monsieur parle et monsieur fè konnen Ariel Henry oui avec États-Unis mesdames et messieurs. Moun sa yo pa innocent nan l'anmo Jovenel Moïse. Et Jean Ariel te dit dans émission Haïti Débat à Gary Scoop. Eh bien, monsieur te fait konnen Félix Badio, quel konnen pa ka financer yon tel et donc assassinat comme ça. Non, monsieur pa capable. Ça veut dire, monsieur te konnen Félix Badio très bien. Faut que nous nous Félix Badio, tout son nek qui habitué travail pour Américain. Et si on en est qui bon en pile dans la question donc dans la question recherche, la fait. Oui, son bon agent. Monsieur travaille pour les États-Unis déjà. Dans la question renseignement, Félix Badio, monsieur son top. Et ben, nous invitons au gain détail, mesdames et messieurs, n'a pas tourné. Dans nous, sous Sud-Lan, nous avons fait un coup de pied dans le pays. Côté la police nationale d'Haïti, Rive Marie Koukrap, 10 individus mal intentionnés qui ont ferraillé dans la localité Figuier, qui trouvaient dans la commune Marigot. Individus sérieux ont pris plaisir dans voler moto, violer et braquer. Pauvre malheureux, c'est dans le cas d'opération la police santé menée samedi 2 décembre qui s'est passé là, yo rive fait belle course là, côté yo rive mettre main en colette Mackenzie ak Junior Saint-Surin qui c'est deux frères qui sorti dans base Grand Ravine. PNH a annoncé tout yo rive saisi deux armes créoles, la Kay Anderson Pierre ak yon zam jouette la Varis Pierre yo te kon utilisé pour intimider population et individu sa yo pou konye la yo en bas code et la police nan Sud-Est annoncé yo décrété la permanence en façon pour river croiser tout individu mal intentionné qui a 26 mai la troublai dans département Sila. La caillou nan souci pour nous continuer informer de tout ce qui passe dans pays d'Haïti et pourquoi pas dans tout reste monde là et bien information que nous va partager avec vous dans cadre bulletin d'information Sila et bien dimi côté que nous va parler de dossier et bien et bon élevé campé qui gagne opération qui a mené sous frontière là Dominique Lagé dans 22 bouille pique-mi Dominique Lagé dans promener banane avec deux et bien sans oublier Dimi nous est là au niveau Guy Philippe qui déjà dans pays en pile fête mais nous capable dire Dimi déjà système nous connecté qu'on machine nous connecté qu'on qui était monté pour assassiner caractère président Jovenel Moïse là faut nous dire même machine ça est en montée pour assassiner caractère Guy Philippe. Là, nous avons une machine ça, qui est qui est y a un journaliste là-dedans, qui est un droit humain là-dedans, ou à ce titre, qui est un qui a traité Guy Philippe de cadavre politique, ou à ce titre, des gens comme Terrel Telis qui commençait à japper Guy Philippe. C'est vraiment grave. Tout système qui a commencé à mettre en branle là, sans oublier une série de monde au niveau de la population, c'est un grand monde minime qui ne va pas comprendre rien dans rien, qui commençait à lever contre Guy Philippe. Mais Guy Philippe, population accueillie, c'est plus qu'un choix en fait qui au niveau population haïtienne
pour que yo acclame Guy Philippe comme prochain comme leader numéro 1 nation là pour moment ça qui capable de délivrer nous en bas griffe oiseau bête en bas griffe bien système ça système pour ça protéger Moïse il t'a pour mettre contre lui et dis-moi nous va parler également Emmanuel Dimano blanc qui se compte là en canal là le côté qu'il menacé yo pral arrêter yo pral marrer tout juge qui participer non corruption dans système non ben qu'on est juge Mano on dit monsieur Mano qui lui-même là menacé juge Walter Voltaire comme quoi comme le premier juge qui a posé ce code par rapport avec la litoire fait dossier la faire un dossier assassinat président Jovenel Moïse et nous voilà et tout le mort sans jour Jimmy qui gèle là le mort sans jour qui lève les prend combien millions américains te paye au fria ou pour t'abriter l'homme le mort sans jour la guerre vite l'homme non marron actuellement là il a cherché vite l'homme à baleine. Il y a déjà crasé majorité et basse gang ça qui déjà là Jimmy anéanti vite l'homme côté brésou on dit le mort sans jour côté brésou vite l'homme là guerre piel dina marron il a cherché bon. Il y a les plusieurs millions là, il y a les SPL, nous pas connaît, mais l'essentiel, nous avons fait gang à combattre gang, voilà là, vraiment compliqué là, au niveau Torsel, et Pernier Zone, ça a commencé à libérer en bas gang, vite l'homme, qui fait que des zones, ça a pas de gang, pendant plusieurs années, la police n'a pas de cafon, hein, et bien nous là, c'est parce que la police n'a pas de volonté, vite l'homme, pas de jambes, hein, vraiment, et bien pensant que des présents, nous allons débattre. Voilà, et bien, mesdames, messieurs, une fois de plus, nous avons salué le commandant. Nous saluons le commandant Guy Philippe, une fois de plus, nous dit qu'il voulait salutation le banon spécialement dans la diaspora ou même qui comprennent la bataille. Ça. Nous saluons, mais au-delà de ça, mesdames, messieurs, eh bien, nous entrons directement sur la frontière là, parce que nous disons qu'il y a pile pression là, dans le moment où nous parlons là. Eh bien, ben nous invitons à garder extrait ça. Moi, je vous rappelle sur Chanel, mon affaire Bon TV. Chanel qui est sexy, hein? Chanel qui dit qu'il y a temps pour nous-mêmes haïtiens, pour nous prendre destin en main. Il y a le temps, mesdames, messieurs, pour nous dire, nous grand monde la caille, nous. Oui, il y a le temps pour nous dire, nous grand monde. Eh bien, on était sur frontière à l'instant même, mais nous partons pour. Justement, Jimmy, j'ai que nous avons dit les temps passés et annoncé les informations qui sont là. Joseph Félix Badiou qui confirmait que lui-même était en contact ensemble avec Ariel Henry le soir de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et bien, selon un sous-judiciaire. Eh bien, et information et Joseph Félix Badio et bien qui lui-même qui parlait d'abord sous judiciaire au cours de son interrogatoire Joseph Félix Badio livrait déclaration importante sur circonstances qui entouraient la mort président Jovenel Moïse et bien monsieur lui évoquait que lui-même était informé par un certain Siméon un journaliste en ligne que président lui-même il pourrait arrêter lui à son retour, et depuis présidential Tchiki, eh bien, il était dit qu'il pourrait l'arrêter dans la date 14 juin 2021. Information qui était relayée par ancien sénateur John Joel Joseph, et bien, par le biais de George Kier. Eh bien, ce sont les dires de Badio. Département d'État américain, il était confié à John Joel Joseph, mission pour le mettre en marche un processus qui était visé pour être capable de destituer président Jovenel Moïse. Et bien, il était aussi mentionné une rencontre avec juge Wendell Costello et qui était organisé en prévision de l'arrestation du président Moïse, ainsi que c'est un pilote contact avec l'autre individu qui impliquait tel que James Solage, Vincent Joseph et trois ressortissants colombiens. Badio confirmait que la rencontre lui-même était faite à la date 4 juillet 2021 et qu'on était visé pour être invité juge Wendell Costello pour assumer intérim après arrestation président Jovenel Moïse. Et M. confie que le juge qui était adhéré pour une proposition qui a été précisée dans le cadre de Sousla. Eh bien, Abdouke Sousla a souligné que Joseph Félix Badio a affirmé que lui-même était informé, ministre de Justice, alors là, Rockefeller Vincent, plan arrestation président Moïse. Il était également écrit. Décrit en réunion au domicile de Renaldo Covington avec plusieurs complices, indiqué que et Covington lui-même n'a pas accepté plan arrestation en raison d'un mandat jugé faux. Eh bien, il était prévoit pour avertir ses sénateurs Hector Jean Anacastis, eh bien, plan arrestation. Ce sera indiqué que Badio déclarait que lui-même était en contact par téléphone dans la nuit de mardi 6 pour l'ouvrir mercredi 7 juillet. Eh bien, 2021, avec Mountayo, Rodolphe Dja et Dem Solage, Marie-Jude Gilbert Dragon, Premier ministre nommé Ariel Henry,
alors que le tenant domicile li, eh bien, avec Zamélé Marie-Tilienne Louis-Jean, eh bien, dans Pèlerin 5, et côté que vous-même été loué, eh bien, sous Nonsam. Après tout ça, eh bien, au cours de conversation avec Mounsayo, Badio te fait connaître le nommé Marie-Jude Gilbert Drago, eh bien, te confie que Asayo est attaqué président Jovenel Moïse. Eh bien, quand on nommé Rodolphe Jarre et James Solage, eh bien, monsieur a déclaré que dernier Sayo a été demandé ou bien fait un appel par téléphone et puis directeur général de la police nationale là, monsieur Léon Charles, pour être capable d'instruire les policiers pour débloquer la route et pour mieux passer, pour récupérer Christian Emmanuel Sanon et bien pour être capable de mener dans le palais national. Eh bien, c'est ça que Sousta lui-même l'a dit. Eh bien, Jean-Claude et Félix Badio lui-même l'a parlé, a dit que Léon Charles connaît l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, devant enquêter, il était poursuivi tout cela. Eh bien, il dit qu'il était prétendu au moment côté déroulement événement. Eh bien, il était trouvé dans une maison qui était louée dans la zone, eh bien, entre Pèlerin 5. Eh bien, pour être capable d'observer véhicule et qui a pargué à sa qui t'a défilé. Eh bien, concernant communication téléphonique avec Dr. Ariel Henry, alors premier ministre nommé, Joseph Félix Badiou, il relatait que le soir de l'événement, il était fait appel par téléphone et côté que tu as demandé aux nouvelles aux environs de 4h du matin. Et puis, intéressé à lui-même, il répondait qu'il était dans un lieu sûr. Mais, interlocuteur a dit que lui-même, il était gagné au seul souci, c'était trouvé avec un seul policier qui était attaché, et bien, dans le cas de sécurité lié. Aux environs de minuit, et bien, premier ministre en fonction, Dr. Claude Joseph, il était ordonné de retirer les policiers qui étaient attachés dans la sécurité, ainsi que tout véhicule de l'État, et bien, qui était dans la disposition. Et bien, il a ajouté que le premier ministre Noméa, et bien, il a demandé si le président Jovenel Moïse était réellement était mort vrai. Alors, il était confié que il était promis que le président renseigner lui dans le cadre du sujet. Ensuite, et bien, dans le cadre de mise en cause, il était continué pour dire. Et après que vous-même, vous avez fini de recevoir un message vocal colombien en espagnol et en anglais, vous avez déclaré que le président républicain, vous avez tué lui, et bien, vous avez le nouveau premier ministre nommé Ariel Henry pour te confirmer la nouvelle là. Et ce dernier lui exprimé un manque d'étonnement. Et bien, c'est ça que lui-même lui dit, Ariel était étonné. Cependant, il précisait que depuis l'ESA, et bien, il n'a pas jamais, entre-temps, il n'a pas jamais parlé ensemble avec Ariel Henry. Tout cela confiait également que Joseph Badio t'a souligné que lui-même était quitté maison précipitée et bien côté que t'a habité ensemble avec Zamélé Marie-Julienne Louis-Jean dans date 8 juillet. Monsieur t'a dit il venait dans date 11 juillet et bien côté que lui-même n'est pas déjà retourné dans zone ça. Par ailleurs, et bien il t'a dit que numéro de téléphone portable nommé Marie-Jude Gilbert Dragon, Jean-Joël Joseph, Rodolphe Jarre, James Solage, Vincent Joseph, Rénal Coventon, Dominique Covin, Wendell Coctello, Edwin Koch, Georges Derd, et puis Siméon, ainsi connu, eh bien, eux-mêmes, ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont communiqué aucun. Eh bien, dans le cadre de collaboration avec l'enquêteur, Joseph Félix Badio lui fournit des détails sur relation avec l'autre suspect, notamment collaboration initiale avec John Joel Joseph, Rodolphe Jarre, James Solage, Vincent Joseph, Yves Saint-Hubert et puis l'autre monde encore. Et bien, monsieur également l'a mentionné, et bien, location véhicule pour Asayo a été souligné participation au plan arrestation plutôt que assassinat de Jovenel Moïse. A dit qu'il n'y a pas de plan pour être assassiné président. Et bien, c'était arrêté, ça a arrêté. Pendant l'interrogatoire, Boadio, qui était évoqué, dans le cadre de démarche pour capable infiltrer le groupe là avant de collaborer avec M. Sayo, eh bien, il admet que lui-même était facilité au mandat arrêt contre le président Jovenel Moïse et côté que lui-même était loué machine ensemble avec Sayo. Eh bien, Joseph Badio nie que lui-même était recevoir l'argent, eh bien, pour implication, mais il accusait Vincent Joseph qui lui-même était tenté corrompu politique. Avec lui, avec 3000 dollars américains, pour être resté passif, et bien, pendant l'attaque-là, et bien, d'après tout cela.
Et bien, selon source là, Joseph Félix Badio qui répond avec question enquêteur concernant domicile, il expliquait que lui-même il habitait dans zone fermate, dans une maison que il était loué ensemble avec l'agent Pal. Il a également mentionné que lui-même il travaillait dans cabinet d'un avocat et bien pendant et cavali et bien mais il était refusé pour le bail non cabinet ça que lui-même il travaille là. Concernant le document rejoint sous ordinateur lié à l'assassinat de Jovenel Moïse, Badio a affirmé que lui-même il était recevoir et bien Yves André Paul et bien quitter et joindre information yo grâce avec petit qui a travaillé dans DCPJ. Badio admet que lui-même il infiltré certains individus dont John Joel Joseph, Rodolphe Dja, James Solage, Vincent Joseph et Yves Saint-Hubert initialement pour capable surveiller. Cependant, il était facilement collaboré avec eux-mêmes, il était facilité location véhicule pour exécution mandat contre président Jovenel. A indiqué plan c'est pas pour un sentinelle, c'était mandat pour arrêter président Jovenel. Et bien il mentionnait que lui-même était loué en voiture Nissan Patrol dans compagnie Avis et bien conduite par James Solage et puis et machine ça qui était boulée dans la coupe de son ville et bien pendant l'assassinat là. Et bien l'idée que lui-même était recevoir l'argent pour implication mais il reconnaît que il était loué véhicule by Asario. Dans ce qui concernait mobile assassinat, Badio prétend que l'idée c'était arrêter président et puis Menel Miami, il niait que lui-même il pas de connaissance plan réel là. Et bien il accusait Vincent Joseph qui était soudoyé policier avec $80,000 et puis il impliquait Alexis Cinéiste dans financement quoi. Interrogé sur acolyte et nationaux qui en fuite Badio mentionné Wendell Coctello et Francis Alexis Cinéiste. Et bien deux noms ça nous connaît qui a cherché madame Coq nous connaît qui a lié mon Jean-Charles parce que mon Jean-Charles lui-même était toujours demandé et madame Coq qui mettait dans place journée là et bien madame Coq et bien lui-même il était la donne avec Francis et Alexis Cinéiste et bien lui également identifié et bien propriétaire de certains numéros de téléphone codés dont Rosemila petit frère a dit que Rosemila petit frère était dans le coup assassinat président Jovenel Moïse là. Suite avec l'arrestation de Joseph Badio le 19 octobre 2023, interrogatoire a approfondi côté Yoté Menel et puis il y a information préliminaire qui suggère que suspect là lui-même est capable de lien avec individu qui impliqué dans planification et puis exécution attaque là. Enquêteur bureau affaires criminelles BAC et puis brigade de recherche et d'intervention BRIC.